Calmez-vous, calmez-vous. Et salut les gens, c'est VMB, j'espère que vous allez bien. Nous avions fait dans l'épisode précédent la petite voiture. Je vous le rappelle, qui est juste ici. Si vous voulez le voir dans l'autre caméra, c'est juste ici. Et bien aujourd'hui, je vais baisser un peu la musique parce qu'elle est un petit peu forte quand même. Et bien nous allons nous concentrer sur le piano. Et oui, sur le piano aujourd'hui. Donc, on appuie sur construire. On va prendre le piano qui est juste là. Hop, et on va se lancer dans sa construction, voir exactement comment faire et le faire ensemble. Alors, on a besoin du multikit du piano, on appuie sur suite. Alors, on a toutes les étapes qui viennent de s'afficher sur l'écran. Il y en a... Oh, il y en a beaucoup. Oh, il y en a beaucoup. Fabriquons le piano. Allons-y. Procédez en 6 étapes. A, B. Ok, c'est noté. Alors vas-y, dis-moi ce que tu veux quand même. Manissez-vous du sachet en plastique contenant les pièces spéciales, mais vous ne l'ouvrez pas tout de suite. Ok, il n'y a pas de problème, je l'ouvre pas tout de suite, t'inquiète pas. Ok, donc ça c'est bon. On a le sachet en plastique. L'étape numéro 1, fabriquons le corps du piano. Ouais, ça c'est bon. Ok, première étape terminée. On a la base du piano. C'est bon, on peut continuer, il n'y a pas de souci. Étape 2 sur 6, fabriquons le boîtier. Ça commence à ressembler à avoir quelque chose, ça, quand même. Hein. Donc, on met le petit plateau à l'intérieur qu'on va alors clipser sur le petit morceau qui est là. Alors, attendez, hop, ça, c'est bon. C'est fait. Ça, c'est fait. Très bien. Le boîtier du clavier est prêt. La prochaine étape est plus risquée. Ouais, bah, ok. Fabriquer les touches. Oh là, il y a 13 touches à monter. Ça risque de prendre un petit moment. Vous vous sentez d'attaque. Oh, que oui. Oh, que oui, on se sent d'attaque. Allez, vas-y, 13 touches à monter. C'est parti. Voilà. Voilà, toutes les touches s'alignent, on a fini, ça c'est bon. Ensuite,
Alors ils nous ont dit quoi? C'est pas une matière clavier. Prenez donc un peu de repos, vous l'avez bien mérité. Oui mais bon, on y va. Fabriquons le... Fabriquons quoi? Ils ont dit quoi? Le porte-écran. Ah ah! Le porte-écran, allons-y. J'aime beaucoup. Alors ça beau être en carton, franchement, ça a la classe. Hein. Portez, bravo, vous avez fabriqué un piano, mais ceci pas tout à fait fini. Vous reste encore à faire des molettes secrètes. Ah oui, carrément. Carrément. Fabriquons les molettes. Alors. Ok, on a terminé les molettes, ça c'est bon. Vous êtes presque au bout de vos peines, la prochaine étape est la dernière. Très bien, 6 sur 6, vous pouvez insérer les Joy-Con droits et la tablette. Alors attends, on prend notre Joy-Con, on prend tout ça. Attends, on va mettre tout ça là, clac. Est-ce qu'on voit bien sur l'écran? Oui, parfait. Alors, on prend notre Joy-Con qui est là. On prend la tablette, alors je peux enlever tout ça là que j'avais gardé de précédemment. On le met à côté. Attention, on va mettre la tablette dans le piano. Comme ceci. Voilà. Très bien. Et vous allez maintenant insérer le Joy-Con droit. Est-ce qu'il est prêt? C'est celui avec le bouton plus. Oui, absolument. Alors par contre, il faut absolument qu'il nous dise comment faire. Oui, bon, c'est pas... C'est juste à mettre comme ça. Juste à mettre en bout. Regarde. Juste à mettre comme ça pour que ça sorte par le petit bout là. Attention. Voilà. Là, ça passe. Et le Joy-Con droit est dedans. Très bien. Alors. Fini. Le piano Joy-Con est prêt. Oh yeah! Alors attends. Jouer maintenant, mais carrément! Carrément qu'on va jouer! On va voir ce que ça donne. Vas-y, augmente le son. Alors. Alors, c'est ok. Oh, c'est énorme! Wow! On peut appuyer sur toi en même temps ou pas? Oui, on peut appuyer sur toi en même temps. Ah, rien. C'est génial. Alors franchement, je pensais pas que le piano fonctionnerait aussi bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va quitter. C'est énorme. Il est pas mal en plus. Hein. Et ça fait quoi si on met... Regarde, jouer, on va juste voir pour jouer. Si on met une molette secrète, ça fait quoi? Voyons voir. La molette secrète. C'est un chat. C'est un chat? Oh! C'est génial! Alors la molette 1, ça donne un chat. La molette 2 donne quoi? C'est énorme. Et la molette 3 donne quoi? Oula. Un moustachu. Calmez-vous, calmez-vous. Et la molette secrète donne... Attends, et du coup, est-ce qu'on peut régler par exemple avec ça, du coup on doit pouvoir régler quelque chose, regarde genre. Non. J'ai l'impression qu'on peut régler un truc. Et si on regarde... Énorme! Calme. Et là-dessus, c'est quoi? Ah, c'est l'enregistrement? C'est énorme! Mamamé! C'est énorme. C'est énorme. Non, arrête, arrête, arrête tout! Arrête tout! On se calme! Attends, je vais voir la dernière, ce que donne la dernière molette.
Alors, que donne la dernière molette? Attention. Boum. C'est quoi ça? C'est le truc des Joy-Con, ça? Attends, c'est quoi ça? Wow. Ça vibre, en fait. C'est assez étonnant. Bah écoutez, voilà, c'est ce qui clôture cette vidéo sur le piano qui aura duré très longtemps parce que le piano, j'ai mis honnêtement, facilement, quasiment 1 heure et demie à le monter, donc c'est assez long, mais le résultat est plutôt sympa et on se fera une autre vidéo où on ira voir le studio, bien évidemment, avec le piano. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le gros pouce en l'air pour, eh bien, féliciter, hein, le fait qu'on ait passé autant de temps à monter le piano, mais le gros pouce en l'air surtout pour la vidéo si vous l'avez kiffé, le partage évidemment, et puis bah, l'abonnement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas, ce sera toujours encore à vous de décider. Salut, salut.